Je sais pas, Ok. Nous sommes bel et bien à Bonamou Sadi, en face le Memo Night Club. Voilà, ensemble souhaitons un joyeux anniversaire à notre frère et ami qui nous vient depuis Paname, depuis Paris, il est nommé Monsieur Eric. Welcome Monsieur Eric. Bienvenue au Cameroun. Tu es chez toi et tu es en train de consommer ce qu'on appelle le jus de canne à sucre, un anti-poison. Avec ça, tu bois le jus de canne, même si c'est le diable, même si c'est le poison de nuit, tu es épargné. Au nom de Nelson Mandela. Voilà, ah, ne te pas de Dieu. Il est pour t'envoyer ça, non, Igor? Pour t'envoyer ça plus. Voilà. Du pur jus de canne à sucre. Du pur jus de canne à sucre. Pur jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre. Voilà, tu as pris. Give me one ginger. Give me one ginger. Ouais. Give me one ginger like this. Yeah. Voilà. Donc, le frère Eric, comme tu as vu en personne. Voilà. Voilà. Non, le frère Eric est venu. On peut se passer du doigt. Non, il y a le plastique. Hein? Il y a le plastique. Voilà. Donc Eric ne passe pas dans la vidéo. Donc désolé pour les sorciers qui veulent voir Eric. Il ne passe pas dans la vidéo. Il faut protéger ces personnes. Voilà, protège tous ceux-là qui viennent t'honorer dans la vie. Sinon les sorciers pour te faire du mal vont le manger. Et la faute viendra de toi. Parce que tu es un bootman. Voilà, quand tu aimes quelqu'un, tu protèges. Comme les femmes qui passent à montrer les maris à tout le monde. Tu sais qu'une femme est plus riche que toi, elle est plus belle que toi. Tu sais bien que ton mari aime les femmes. Mais tu montres ton mari à tous les femmes. Donc bienvenue à toi Eric. Comme tu vois, non? Les gens disent que non, Banga Diaspora, non, c'est dans l'insalubrité. Mais en France, là où tu es là, il y a la vente à la sauvette, non? Mais est-ce que les vendeurs à la sauvette viennent trouver la poussière? Voilà, donc ça veut dire que c'est parce que l'État d'abord fait le meilleur. Le meilleur d'abord. Le meilleur d'abord. Voilà. Donc la diaspora comprend mieux. En fait, celui qui fait semblant de comprendre, il va voir ça, il va lire ça sur lui-même. Donc voilà. Donc voilà, nous sommes bel et bien là, à Santa Lucia. À Santa Lucia, supermarché Santa Lucia, Bonamou Sadi. En face, le Memo Night Club, tout juste à côté. Le numéro est là, voilà, le numéro est là. Si tu veux passer la commande du jus de canne, tu appelles juste au 683-812-125-244-98. 683-812-125-244-98. Le numéro WhatsApp, c'est le +62 812 125 244 98. Voilà. Merci à toi Eric. Oui, tu es la bienvenue. Voilà. Tu prends soin de toi. Tu es au Cameroun, même quand tu n'as pas l'argent. Le fait que tu es un Benguis, on croit que tu es un milliardaire. Et que tu as porté le sac d'argent à ton père et ta mère. Et t'as dit que pour ça tu vas mourir. Parce que, alors que maman et papa sont juste fiers parce que y a les gens qui rentrent, on les envoie que le cadavre. Et comme les parents sont contents, ils se disent non, le monsieur l'a porté les milliards. Les milliards à papa et maman. Et tu dois mourir. Il faut faire attention, Eric. Voilà. Tu peux passer n'importe quand. Ok, je suis sûr à vous, non? Voilà. C'est dommage que je suis qui par voir ça me lève. Ah. Non, désolé, on peut pas voir Eric. On peut pas voir Eric. Désolé. Voilà. Au lieu de t'asseoir, parler, il faut passer à la maison. C'est Mbanga Diaspora. Voilà le nectar. Voilà le nectar.
Voilà le nectar lui-même en personne. Voilà, ouh. Wow. Ouais, non, c'est la couleur de la canne. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Tu as vu? Donne-moi 16 ans. 16 ans? C'est bon, tu l'as mis. Pourquoi je t'ai cassé avec? Ça va dire? Donne-moi 16 ans. Ok. Tu l'as mis. Vous n'avez pas vendu, hein? Moi je t'ai cassé avec. Ça va dire que. Attendez, mais. Donne-moi 500. Dieu bloque mon avancement. Non. Sauf si tu me donnes. Je prends. Voilà. Et ma deux sœurs là, quand on les rembourse plus là, ils prennent, ils partent avec. Méfiez-vous. Elle va te donner la diarrhée. Voilà. Hey, Mangaman. Comment non? Je suis bel et bien au Memo Nightclub. En face, le Memo Nightclub. Voilà, tout juste au carrefour, bijoux, Bonamou Sadi. Voilà. Nous sommes là, bel et bien, tranquille. On ne nuit à personne. Nous ne sommes pas dans un bureau. On ne détourne pas les médias ici, là. Voici un Camerounais qui vend ses cannes tranquillement. Il ne nuit à personne. Il s'est battu dans la vie. Il a risqué le désert, risqué la Méditerranée. Il est allé chercher son capital. Voilà, il est rentré. Il a d'abord construit sa maison. Quand on dit on bengis, construis d'abord ta maison avant de finir faire n'importe quoi. Sinon, tu vas passer ta vie à payer que les loyers. Et aussi, non, la pression va te faire, tu vas aller entrer dans les tontines. Là-bas, on va te demander toi-même. Ou on va demander ta femme. Ou on va demander tes enfants. Voilà. Il faut faire attention. On voit les gars qui ont commis, ils ont les tontines. Après, tu commences, ils sont morts. Tu vois, c'est quoi? C'est la pression, non? Voilà. Le gars était pressé, il voulait vite être homme d'affaires. Voilà. Il voulait être homme d'affaires vite. Il oublie que quand tu es allé quelque part, il faut récompenser le temps que tu as fait à l'étranger. En bâtissant ta petite maison, même le studio, même le carabot. En ce moment, tu n'as plus la pression, tu n'as plus de stress. Voilà, qu'est-ce qui pousse les gens à entrer dans la sorcellerie parfois? C'est les petites choses. Les petites choses du quotidien. Les beignets aux enfants, la location, payer la lumière, tout et tout. Tu es obligé de partir te coller à un grand frère du quartier que tu considères comme un bon grand, alors que c'est un bon sorcier. Voilà. Tu crois qu'il te yamo? Non, c'est ta peau qui te. C'est ta chair là qui le plaît. Voilà, tu es une bonne marchandise, il va te vendre trop cher. Voilà. Pas te vendre trop cher. Motman. Voilà. Donc, jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre, voilà. Consommer du jus de canne. Consommer du jus de canne à sucre. Voilà le numéro. Voilà le numéro de téléphone WhatsApp. +62 812 125 244 98 +62 812 125 244 98. Voilà mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Tu m'appelles directement. On vient te livrer. Voilà. Ouais, on sort comme ça de Bonaberry. Et après ça, on a fait un crochet à Aqua. Ouais, la glacière est vide. Donc nous sommes en train d'écraser pour renflouer la glacière. Donc voilà. Vous voyez un peu. Regardez comment quand on fait la canne à sucre. Regardez la couleur. Et c'est les différentes couleurs. Là, c'est la canne rouge. C'est ce que moi j'aime boire. J'aime boire la canne rouge. Maintenant là, il y a la canne qui est
qui est verte. Voilà. Mais ce qui est sûr et certain, quand tu brûles le jus de canne à sucre, pour que ça devienne le sucre, automatiquement ça devient le sucre brun. En fait, la canne à sucre, le jus de canne, c'est un sucre brun. Quand tu fais rien que la canne à sucre, c'est un sucre brun. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je me porte très bien, monsieur William. Monsieur William, je me porte très bien. Quand tu vois un gars comme moi qui se lève, qui est sur le soleil, comprends qu'il se porte très bien. Parce que si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas rester sur le soleil. Voilà. Je me porte très bien. Les jus de canne se portent bien. Voilà. Voilà. Ouais, monsieur Narcisse Nganduy, je suis bel et bien au carrefour Bijou Bonamou Sadi. Là où est situé le supermarché Santa Lucia. Santa Lucia. À côté, tu dois voir le Memo Nightclub. Le Memo Nightclub. Après le supermarché Santa Lucia, carrefour Santa Lucia, tu avances comme tu es allé à Koto. À 50 mètres, tu verras le nightclub, Memo Nightclub. Voilà, tu verras le Snack Memo Nightclub. Voilà, c'est comme ça que j'ai indiqué à mon frère Eric, qui nous vient depuis Paname, depuis la France. Donc c'est très facile à me retrouver, le Memo Nightclub. En face, tu vas voir le pick-up. Je suis là, confirmation, à 15h. Tu as vu, non? J'ai la mentalité de la diaspora. J'ai pas perdu les repères. Ah oui. Tu m'as appelé aujourd'hui, tu as dit à 12h. J'ai dit non, c'est à 15h. À 14h40, tu m'as appelé. J'ai dit 15h. Et tu es venu à 14h58. J'étais en train d'installer. Donc c'est ça la diaspora. C'est ça la diaspora, le temps. Bien sûr, ma mère se porte bien, mes filles se portent bien, tout le monde se porte bien. Voilà mes femmes. Voilà, mes femmes, c'est ma mère, mes filles, voilà. Donc c'est ça mon cher frère. Tout le monde se porte bien. Et il faut écouter le direct. Tu veux déraper, c'est ça le Camerounais. Là, doit être hors sujet. Voilà, on n'amène pas un leader à faire l'erreur. Vous voyez, vous êtes très parfois naïf. Vous voulez le changement. Mais c'est vous qui vous attardez souvent à certaines choses. Voilà. Les diabétiques consomment bel et bien le jus de canne. Va sur YouTube, tu verras. Va sur Google, tu tapes jus de canne à sucre. Est-ce que les diabétiques peuvent consommer? Ils vont te dire bel et bien oui. Ouais, bien sûr, le diabétique type 2, ouais. Ouais. Oui, 1,5 litre. C'est ça qui est 2000. Voilà. Tu vas voir un gars, quand il part en boîte de nuit, on lui donne le prix d'un whisky qu'on a acheté à 15 000. Tu vois, il discute, il se met en genoux. Mais quand il vient ici, on lui dit que voilà le produit naturel de chez lui, vous voyez les anti-patriotes. Il y a beaucoup de combattants là, ils disent qu'ils sont les... Tu n'es pas patriote. Un patriote ne discute pas ce qui vient de sa terre. C'est comme moi, quand je vois, quand il m'en va au marché, j'ai souvent les problèmes avec ma femme. Pourquoi? Parce que tu peux au marché, mais mon ami, la tomate, tu discutes. On discute la chose de ses parents. Alors, il y a les produits phares là qu'on ne discute pas. Ouais, mais tu vas venir ici là pour acheter le jus de canne, tu discutes. Ton frère s'est battu. L'emballage que tu vois là, c'est moi la bouteille ici là. C'est 130 francs. C'est 130 francs. Voici 130 francs. Je te vends ça à 1000 francs, imagine. J'ai mis au frais. Je garde ça au frais. Je ne mélange pas. J'achète la canne à sucre. Je paye ceux qui nettoient. Je paye le transport. Je paye l'emballage. Je paye l'électricité. Je te donne ça à 1000 francs. Une jolie bouteille comme ça là. Une jolie bouteille. Mais toi, tu discutes. Et tu veux que ton pays se développe. Non. Un pays développé, c'est quand on trouve les entrepreneurs autonomes qui vendent les produits du terroir.
C'est ça qui fait développer un pays. On doit booster les entrepreneurs du terroir. Parce que les produits du blanc que tu viens de vendre au Cameroun, là, ça ne peut jamais développer le Cameroun. Désolé. Ça va t'enrichir toi seul. Ça va appauvrir les Camerounais et ça va enrichir les pays où tu viens. Puisque quand tu peux acheter une voiture en France, tu achètes en France une voiture de 20 ans, 10 ans. Tu viens au Cameroun pour vendre à un Camerounais cher. Alors qu'en France, on n'avait plus besoin de ça. Tu viens appauvrir ton Afrique d'abord en polluant l'Afrique. Tu viens appauvrir l'Afrique d'abord en tuant tes frères, ok, avec des vieilleries, avec des choses qui vont faire la poubelle partout. Voilà, avec ce qui va faire la poubelle partout. Tu viens appauvrir un Camerounais parce que tu vas le vendre ça cher. Tu vas vendre une voiture de 20 ans à un Camerounais à 5 millions. Alors qu'en Europe, c'est déjà jeté. Donc voilà pourquoi nous devons consommer Camerounais. Donc merci à toi, Eric, d'être passé. C'est un honneur de ma part. Voilà. Tu viens de loin, de la France, mais tu es venu m'honorer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu achètes la Guinness, quand vous partez en boîte de nuit, vous achetez la Guinness à 1500, vous ne discutez pas. Voilà un litre et demi. 1500, c'est-à-dire 33 centilitres. 1500. Mais tu viens, si on te parle d'un litre et demi à 2000, tu pleures. Produit naturel, qui va te sauver? N'importe quoi. Non, il n'est pas mis dedans. Non, il n'est pas mis dedans. Tant que tu ne sors pas, non? Ouais, le soleil l'Afrique. Ouais. Regardez. Le soleil, ouais. Non, attendez. C'est parce qu'il y a la poussière. On a les belles femmes. On a les beaux garçons. Mais oui, c'est clair. C'est le pourquoi je ne me gêne pas. Si tu veux réussir au Cameroun, laisse-moi me baigner là-bas, tu viens ici là dans ma poussière. Si tu fais face à la poussière, tu deviens l'ami de la boue, tu seras riche. Pourquoi on insulte certaines personnes? Regardez comment il est sale. Regardez la boue sur lui. Mais il y a un problème d'un million, ils sont cachés, ils dépensent. Non, on va voir l'oncle qui était propre là. Hein? Tu es tout là, tu sors, tu es frais. 5 francs, tu n'as pas dans tes poches. Mais oui, 5 francs, tu n'as pas dans tes poches. Donc voilà la réalité. En Europe, il y a la vente à la sauvette. Mais on a mis les pavés, on a goudronné. Va mon frère, du courage. Voilà. On a mis les pavés, on a goudronné. C'est normal que tout le monde soit frais, tout le monde doit être propre. Il y a les arbres. On a planté les arbres partout, les vrais arbres. Mais ici, là, chez nous, on nous plante les arbres qui n'ont ni queue, ni tête. Alors que chez le blanc, on met les arbres qui ont les fruits qu'on consomme. C'est rare de voir les arbres chez le blanc si ce n'est pas un arbre fruitier. Mais ici, là, elle dit que. Ici là, on nous met les arbres qui ne nous apportent rien. On met les arbres qui sortent les fruits que même... En fait, ça sort que les fleurs que même l'animal ne mange pas, même les oiseaux ne mangent pas. Vous voulez qu'on avance comment? Ça veut dire qu'au lieu qu'on nourrisse même la nature. Non, la nature se nourrit de nous. C'est pourquoi toute la poussière du monde la tape que sur nous. Au lieu de passer s'accrocher sur les arbres. C'est pourquoi toute la poussière du monde là vient se verser que sur nous. Toute la pluie du monde là vient se verser sur nous. Voilà l'aéroport de Douala. Tu invites ta mère, tu invites ta femme, tu invites tes enfants. S'il commence à pleuvoir, ils vont s'abriter où? Alors? Tu goûtes comment? Tu goûtes la bière? Quand tu pars dans le bar, tu goûtes la bière? Il y a le goûter. Tu vois une belle fille. Peut-être rien dans sa tête. Allez, dis donc. Le mariage même c'est la chance. Il y a des gens qui ne méritent même pas le mariage. Donc voilà, jus de canne à sucre de Mbanga Diaspora. Partout dans les pays du monde, il y a la sauvette. À Singapour, les plus grands pays du monde, il y a la vente à la sauvette. Même aux États-Unis, il y a la vente à la sauvette. Même à Paris, c'est la vente à la sauvette, non? Avant la sauvette. Mais le problème, c'est que tu viens de faire quelque chose que l'État a arrangé. L'espace a été construit. C'est propre. Maintenant, c'est le pourquoi toi aussi tu es obligé d'être propre. Et la mentalité qu'on a, nous, c'est la diaspora. C'est la diaspora, c'est la mentalité qu'on a. Mais quand quelqu'un trouve quelque chose qui est sale, en partant, comment veux-tu qu'il fasse la propriété? C'est parce qu'on a voyagé. Quand on fait comme ça, là,
on nettoie et puis en partant on nettoie. Voilà, c'est parce qu'on a voyagé, c'est la force de la diaspora. Et c'est pourquoi je suis fâché contre certaines personnes de la diaspora. Parce qu'ils ne parlent pas, les gens qui doivent apporter un choc, ils doivent éclaircir. Alors. On passe comment du coup. Un gars de la diaspora, si tu as ton chantier, invite dans la diaspora, il vient vendre le jus de tout là-bas, il lui fait la recette, c'est ça. Sinon, ce que tu es un sorcier. Le gars de la diaspora qui ne m'invite pas dans son chantier, livre les jus de canne, c'est un sorcier, c'est un jaloux. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Ça va? Viens dire bonjour. Viens. Un gars ou une femme de la diaspora qui vient au Cameroun, qui est en chantier, et qui ne me fait pas la recette, c'est un sorcier. Et qui écoute mes conseils. Mon ami, mes conseils vont se retourner contre toi. Voilà. Mais qu'on se passe aujourd'hui. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu prends mes conseils, et quand tu viens au Cameroun, tu viens me faire la recette, sache que mes conseils vont se retourner en mal contre toi. Et tu connais. Le contraire du mal, c'est le bien. Et le contraire du bien, c'est le mal. Donc, Banga Diaspora, vous êtes là matin, midi, soir, écoutez ce que je dis. Beaucoup trichent même. J'ai vu un Camerounais deux jours en train de faire quelque chose. Il m'interpelle quand je passe. Il me dit, Banga Diaspora, c'est grâce à toi que je fais ça. Bon, et il me dit qu'il est au Cameroun depuis. Voilà. Voilà un monsieur qui est au Cameroun depuis. Il est en train d'implémenter mes idées qu'il a prises sur Facebook. Maintenant, il est incapable de me faire la recette. Vous voyez? Mon ami, sache que tu ne peux pas prospérer. Voilà. Tu ne peux pas prospérer. Quand tu triches quelque chose de quelqu'un, cette personne a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Voilà. J'ai un droit d'auteur. Et quand tu es honnête là, quand tu écoutes quelqu'un parler des choses qui sont bien chaque jour, viens calmement là. Tu viens me faire la recette, tu pars. Voilà. Sinon, tu verras. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent là tout, ils volent ce que je dis. Non vraiment Banga Diaspora, je t'écoute beaucoup. Voilà. Ils jouent au dangereux. Tu crois qu'ils mangent quoi? La vie c'est la chance. Je parle, les gens m'écoutent. On me paye pour ça. Je parle, les gens m'écoutent. On me paye pour ça. Après, quand tu écoutes les conseils de Banga Diaspora, il faut souvent m'appeler, tu m'envoies là. Sinon, bientôt, je vais arrêter de parler parce que je me rends compte que les gens volent beaucoup mes idées. Voilà. Les gens volent les œuvres de l'esprit, ils ne sont pas honnêtes. Appelle-moi sur mon numéro. J'ai mon numéro WhatsApp qui est là. Monsieur Voré, Roger Fauquoi, on expédie sur Yaoundé. On expédie sur Yaoundé. Tu fais un dépôt Orange Money. Tu fais un dépôt au MTN Money. On expédie sur Yaoundé. Donc je te mets le numéro, mon numéro WhatsApp. Ok, je te mets mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles là-bas, tu passes ta commande. On a 1,5 litre. On a 1,5 litre. On a 1,5 litre qui est 2000. On a 750 millilitres. Qui est 1000 francs. On a 350 millilitres qui est 500. Les mêmes 350 millilitres ici là. Tu pars en boîte, tu achètes la bière 1500. Il ne faut même pas discuter. Maintenant, tu payes les frais d'envoi. Voilà. Tu payes les frais d'envoi. On part dans une agence de voyage, on t'expédie ça. On a 1,5 litre qui est 2000. Ok. 1 litre 1500. 750 millilitres. 1000 francs, 350 millilitres, 500. Les produits de chez nous, sans mélange. Sans mélange. Voilà. Donc arrête de venir là, vous venez là chaque jour, vous venez. Vous volez mes œuvres de l'esprit. Vous partez vous enrichir. Moi, je ne veux pas être riche. Moi, je n'ai pas envie d'être riche. Voilà, j'ai pas envie de, je veux avoir une vie normale, tranquille dans ma vie. Mais je suis sûr que ce que je dis là, ça change la vie de plusieurs personnes. Mais au moins, soyez reconnaissants. Voilà. C'est ma part de manière de changer le Cameroun. Voilà.
Le changement, c'est dans plusieurs sens. En politique, la vie en société, l'engagement, éveiller des consciences. Voilà, c'est pourquoi il y a des choses que moi je dis. Ma vie est en danger, vous savez ça? Ma vie est en danger. Et ceux qui me détestent le plus, c'est les entrepreneurs. Parce que je dis les petits secrets qu'on ne devrait pas dire. Voilà. Ceux qui me détestent le plus, ce n'est pas les politiciens. Ceux qui me détestent le plus, c'est certaines personnes qui font les affaires. Parce que je dis beaucoup de choses qu'on devrait payer pour dire ça. Ben oui. Et mon ami, je ne vais pas arrêter de parler, mon cher. Je ne vais pas arrêter de parler. C'est clair. La dernière fois, j'ai fait passer 2 semaines, je ne parlais plus. C'est les gens qui sont venus me voir, comme bah, gars, il faut recommencer. Voilà, voilà. Oui, c'est comme ça. Je n'ai pas arrêté de parler, mon frère. C'est aujourd'hui que tu découvres que j'ai le jus de canne. Mais j'ai la machine de jus de canne depuis les années. Que tout le monde connaît. Un endroit que tout le monde connaît, que je peux appeler ici là. Je n'ai pas arrêté de parler, mon cher. Parce que quand je me rends compte que quand je partage quand je partage les expériences de la vie, j'ai un manquement en moi, spirituellement, je perds beaucoup d'énergie. Est-ce que vous savez ça? C'est comme la magie. Ça veut dire que tu es combattu. Je ne savais pas. Mais avec le temps, je découvre. Quand je fais le live, je me rends compte que je suis perturbé. Quand je fais le live de politique, je suis moins perturbé que quand je fais les lives de la société, les faits de société. Je suis plus perturbé. Ça veut dire quoi? Les mauvais esprits me dérangent. Je dis une vérité, je me confie à vous, je vous dis la vérité. Quand je fais les lives concernant la politique, je n'ai pas trop de problèmes. Mais quand je parle de la société, les faits de société, je me rends compte que je dis beaucoup de choses. Et je me rends compte que je suis persécuté. Et ça m'avale beaucoup d'énergie. Je suis fatigué en journée. Comme le direct que j'ai fait ce matin. Ça me suce spirituellement. Ça me fatigue. Je perds de l'énergie. C'est vrai, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, de grâce, pardon, je veux que quelqu'un m'explique aussi ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Quand je fais les lives parlant de la politique, je suis moins épuisé. Mais quand je parle des faits de société, je développe, je trouve les solutions. Les gens sont d'accord avec moi. Ça m'épuise, je ne sais pas. Ou bien c'est parce que je m'en vais au fond de moi chercher la solution. Je ne sais pas si je suis persécuté. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Même quand je montre le business de quelqu'un, après je me rends compte que je suis menacé. Voilà, je suis menacé. Je montre la... Même quand je fais souvent les lives pour montrer l'activité de quelqu'un, je suis menacé. Donc je ne sais pas pourquoi. Je suis menacé en journée. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vrai que la parole c'est l'arme la plus fatale. Pourquoi bientôt là, si ça continue à me déranger, je vais arrêter. Je vais arrêter. Mon frère, il y a des gens que parfois tu ne vois plus dans le monde. Tu crois que non, ils sont en train de souffrir quelque part alors qu'ils vivent très bien. Avant Facebook, j'avais une très bonne vie. J'ai tout eu, d'abord j'ai tout eu une belle vie. J'ai tout eu une belle vie dans ma vie. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 20 ans que je suis parti en aventure, je n'ai même connu la souffrance. Donc ça veut dire quoi? Je peux laisser Facebook. Pourquoi? Je me rends compte que mon énergie c'est pour moi seul. J'ai décidé de partager à les autres. Voilà. Pas parce que c'est mon travail, non. Parce que même le business de jus de canne, je connais des gens qui sont entrés dedans. Et c'est à cause de moi. Je pouvais dire que je cache. Je pouvais dire que je ne montre à personne. Oui, je pourrais dire que je cache, je ne montre à personne. C'est comme la dernière fois, je suis parti à Bonaberry. Je montre les orphelinats là. Est-ce que ce sont mes orphelinats? On m'a dit de partir donner les jus de canne. Notre soeur artiste Annie Badidbas, avec Suzanne Ngantieu, elle a acheté les jus de canne.
Elle m'a dit, mon frère, choisis les orphelinats que tu connais, les centres de réfugiés que tu connais. Mais je suis parti là-bas, j'ai partagé les jus de canne et j'ai fait la promotion de l'orphelinat. Je ne suis pas obligé de faire la promotion. Mais je vous dis bien qu'après ça, je suis menacé. Je suis menacé. Je me sens mal. Je me sens mal en point. Ah oui. Je me sens mal en point. C'est compliqué, hein. Faut faire attention. Faut faire attention, les gars. C'est beaucoup compliqué. Voilà. Même quand souvent tu vois un malade. Il y a une maman là, je voulais l'aider. Mais on m'envoie l'argent, c'est comme ça que je commence le traitement sur elle. Mais après, elle commence à avoir mal au pouce. Pouce jusqu'à ce qu'elle a guéri. J'ai eu tellement mal au pouce. Et mais le... ça a commencé le jour où j'ai décidé que je vais aider la mère là. Donc c'est très compliqué. Donc là, là, 1500. Le jus de canne à sucre. C'est là pourquoi parfois vous voyez les gens disent que non, j'arrête certaines choses. D'accord, ils sont persécutés. Comment faire alors? Combien? Dans la famille, je vous laisse. Je vous aime bien. Passez faire la recette.